Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur le point de réaliser le dosage du fluorure dans un rince-bouche commercial par la méthode potentiométrique des ajouts dosés. Avant de parler plus spécifiquement de cette technique, on va prendre le temps de revoir la méthode employée pour doser le fluorure dans une pâte dentifrice. Cette méthode plus simple peut porter plusieurs noms, soit la calibration directe, l'étalonnage direct ou tout simplement la méthode de la courbe d'étalonnage. Dans le cadre de cette technique, que vous avez réalisé plus tôt cette session. Vous avez préparé plusieurs solutions de concentration en fluorure allant de 1,25 mg par litre à 20 mg par litre. Vous aviez ensuite mesuré le potentiel d'électrode de chacune des solutions à l'aide d'une électrode sélective à ion fluorure. Vous avez porté en graphique le potentiel d'électrode de chaque solution, E, en fonction non pas de la concentration, mais bien du logarithme de la concentration, afin d'obtenir une relation linéaire pour laquelle vous avez pu en extraire une équation présentée ici. Vous avez ensuite mesuré le potentiel d'électrode d'une solution de pâte dentifrice contenant une quantité inconnue de fluorure. À l'aide de l'équation de la droite d'étalonnage, vous avez finalement pu déterminer la concentration, ou plutôt le logarithme de la concentration de cette solution par interpolation. De simples calculs vous ont alors permis de déterminer la concentration en fluorure de la pâte dentifrice commerciale. Parfois, la méthode par calibration directe, ce que je viens juste de présenter, ne permet pas d'obtenir des résultats exacts. Une des causes principales de ces mauvais résultats provient de l'effet de matrice. Je n'expliquerai pas ce que sont les effets de matrice dans cette vidéo, mais ce phénomène est très bien expliqué dans votre manuel de labo. Prenez le temps de bien le lire. Ces effets de matrice, qui rendent la méthode par calibration directe inutilisable dans certains cas, peuvent être évités en utilisant la méthode des ajouts dosés. Dans le cadre de cette méthode, on prépare plusieurs solutions qui contiennent toute une quantité identique de la solution dont on désire déterminer la concentration. Dans notre cas précis, 1 ml de rince-bouche sera ajouté dans 5 fioles jaugées de 50 ml. On complétera la première fiole jusqu'à 50 ml avec une solution de T-SAB dont on parlera plus tard. On va ensuite ajouter aux fioles 2 à 5 des quantités connues d'une solution standard. Dans notre cas, on ajoutera des portions de 2, 4, 6 et 8 ml d'une solution standard de fluorure de concentration 100 mg par litre. C'est de là que la méthode tire son nom, soit la méthode des ajouts dosés, justement parce qu'on ajoute différentes doses de solution standard à des fioles contenant toute une portion de notre inconnu à doser. Toutes les fioles sont finalement remplies jusqu'à 50 ml, encore une fois avec la solution de T-SAB. On est alors prêt à mesurer le potentiel d'électrode de chacune de ces solutions, de la même façon qu'on l'aurait fait pour la méthode par calibration directe. Ici, ce qui est important de noter, et qui est une grande différence avec la méthode par calibration directe, c'est qu'on ne connaît la concentration en fluorure d'aucune solution. En effet, comme chaque solution contient 1 ml de rince-bouche et qu'on ne connaît pas la concentration en fluorure du rince-bouche, eh bien les concentrations en fluorure de toutes ces solutions sont inconnues. Ce qu'on connaît par contre, c'est l'augmentation en potentiel d'électrode, présentée ici par delta E, produite par l'ajout de 2 ml de solution standard. On connaît chacune également de ces variations. Ce sont ces variations qui vont nous aider à déterminer la concentration en fluorure du rince-bouche. Si on récapitule rapidement, on a préparé 5 solutions contenant toutes 1 ml de rince-bouche. On a ajouté des portions de solutions standard de fluorure à 4 de ces 5 solutions. Les portions de solutions standard sont présentées ici, soit de 0 à 8 ml pour les solutions 1 à 5. On a ensuite mesuré le potentiel d'électrode de ces solutions. Ici, j'ai indiqué des valeurs qu'on aurait pu obtenir au laboratoire. Avant de produire un graphique qui va nous permettre de compléter notre analyse, on doit calculer un nouveau paramètre pour chaque solution, soit 10 exposant E sur M. Le E, ici, est le potentiel d'électrode de chaque solution, soit les valeurs dans notre tableau ici. Le M, quant à lui, correspond à la pente de l'électrode. La pente de l'électrode est une valeur intrinsèque à l'électrode utilisée et peut être déterminée de la façon suivante. On prépare deux solutions standards de 10 et 100 mg par litre en fluorure. On mesure ensuite le potentiel d'électrode de ces deux solutions à l'aide de notre électrode. On porte alors en graphique le potentiel d'électrode en fonction du logarithme de la concentration. On trace une droite à partir des deux points obtenus. La pente de cette droite, soit le terme A ici dans l'équation, correspond à la pente de l'électrode. Il ne faut pas se mêler, la valeur de A ici a exactement la même signification que le M dans cette équation-ci. Donc, la pente obtenue ici, A,
va être inséré dans l'équation ici, 10 exposant E sur M. On pourra donc calculer les valeurs qui vont dans cette colonne-ci. Le E va être le potentiel standard associé à chacune des solutions et le M va être la valeur constante qu'on a obtenue grâce à l'équation que je viens juste de présenter. C'est à ce moment-ci qu'on va tracer le graphique de la relation suivante, soit 10 exposant E sur M versus le volume de solution standard ajouté en solution. Le graphique qu'on va obtenir ici va ressembler à ça, donc l'axe Y va être les valeurs de 10 à la E sur M et l'axe des X va être les valeurs du volume de solution standard ajouté. On va faire apparaître sur notre graphique les 5 points associés aux 5 solutions issues de notre méthode des ajouts dosés. On va faire apparaître la droite. On va faire apparaître l'équation de la droite. Et ici, ça va être très important de venir prolonger la droite pour qu'on puisse observer l'endroit où la droite va venir croiser l'abscisse, soit l'endroit où la droite va venir croiser l'axe des X. C'est important parce que c'est ce point ici qui correspond à un volume, qui représente le volume de solution standard contenant une quantité équivalente de fluorure à la quantité de fluorure provenant du rince-bouche qui a été ajouté à chaque solution analysée. Ouf, c'est un peu compliqué tout ça. Je vais faire un exemple concret pour essayer d'éclaircir tout ça. Supposons que le point de croisement entre la droite et l'axe des X indique un volume de moins 3,2 ml. Mais d'abord, un volume négatif, ça n'existe pas. On va simplement utiliser la valeur positive de ce terme, soit plus 3,2 ml. Cette valeur signifie que la quantité de fluorure contenue dans chaque portion de 1 ml de rince-bouche ajoutée aux solutions analysées est équivalente à la quantité de fluorure contenue dans 3,2 ml de solution standard de 100 mg par litre. On doit simplement faire le calcul suivant. Donc ici, le 0,0032 litres, en fait, c'est juste mon 3,2 ml, mais converti en litres. Je vais multiplier ça à la concentration de ma solution standard utilisée, qui est une solution de 100 mg par litre, ce qui va me donner une masse de 0,32 mg. Ça veut dire que dans chacune de mes 5 solutions analysées par la méthode des ajouts dosés, il y avait 0,32 mg de fluorure qui provenait de mon rince-bouche. Sachant que j'ai ajouté 1 ml de rince-bouche dans chacune de ces solutions, bien ça veut dire qu'il y a 0,32 mg de fluorure dans 1 ml de solution de rince-bouche. Quand je dis de solution de rince-bouche, là, c'est dans le rince-bouche original que j'ai mis dans chacune de mes solutions à analyser. Ça fait beaucoup d'étapes à comprendre, mais vous verrez, tout ça aura plus de sens quand vous appliquerez la méthode à vos résultats expérimentaux. Pour terminer, je vais parler du réactif TISAB, nécessaire à la réalisation de mesures potentiométriques pour les ions fluorure. Normalement, lorsqu'on prépare des solutions standards usuelles, on dilue les solutions à l'aide d'eau distillée. Dans notre cas, de l'eau désionisée devrait être utilisée pour s'assurer d'une plus grande pureté. Malgré ce qu'on pourrait penser, l'eau distillée n'est pas complètement exempte d'ions. L'eau désionisée offre donc une plus grande pureté à ce niveau. En fait, ce n'est pas de l'eau désionisée que nous utiliserons au laboratoire pour préparer nos solutions, mais bien un mélange d'eau désionisée et de TISAB. Le TISAB est un acronyme qui signifie Total Ionic Strength Adjustment Buffer. Ce produit, acheté commercialement, est un mélange de plusieurs composés et joue trois rôles importants. 1. Il permet de conserver une force ionique élevée et constante dans chacune des solutions. 2. Il contient un tampon chimique, ce qui permet de conserver un pH constant dans chacune des solutions. Et 3. Il contient un agent chélateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ion fluorure aime se lier aux cations multivalents, comme le Al3+. Donc, s'il y a des traces de Al3+ en solution, le fluorure viendra s'y lier et ne pourra plus être détecté par l'électrode. Ça fausserait évidemment les résultats. Les composés chélateurs sont comme de grosses molécules avec des tentacules qui ont une certaine affinité pour certains ions. L'agent chélateur présent dans le TISAB a une affinité pour les cations multivalents, comme le Al3+. Il viendra alors se lier au Al3+. De cette façon, le Al3+ ne pourra alors plus se lier au fluorure, ce qui lui permettra d'être sous sa forme libre en solution. Tous les ions fluorure contribueront alors à une lecture du potentiel d'électrode. La valeur obtenue représentera alors plus justement la concentration réelle des ions fluorure en solution.
C'est tout ce que j'avais à vous dire sur la méthode des ajouts dosés. Tout est également indiqué dans votre manuel de laboratoire. Il y a même des informations supplémentaires. Prenez le temps de bien lire tout ça et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des difficultés avec une ou plusieurs étapes de la démarche. Bon labo!